Guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. 24 heures pour devenir une Pinterest girl. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors ce matin, je me suis pris mon meilleur matcha. En plus, il était tellement esthétique. Genre, je sais pas si vous avez vu, mais j'arrive tellement à mieux les faire. De toute façon, ils sont toujours aussi bons. Bref, aujourd'hui, petit programme, c'est mon jour de repos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour vous filmer une vidéo. Du coup, maintenant, vous aurez des vidéos tous les samedis. Voilà, ou presque, si j'arrive à tenir la cadence. Là, je suis partie me faire un matcha et on va aller s'habiller dans une tenue un petit peu Pinterest. Si vous avez vu mon dernier réel, il y en a plein qui vont se dire « Ah, mais tu nous avais déjà montré cette tenue !» Et oui, c'est le but. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller voir mon copain au travail parce que on se soutient et parce que je sais que ça va lui faire du bien que je sois là le midi pour qu'on passe un bon temps ensemble. Du coup, voilà, petit programme, on se fait un petit pique-nique. Donc j'ai emmené des chips, des bonbons, une salade que je me suis faite hier soir. J'ai tellement de trucs à vous dire, je vous jure, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Genre, la dernière vidéo, c'était celle de Paris. C'était au mois d'août. Les gars, il s'est passé tellement de trucs depuis, enfin... Dans le train, je vais faire mon 5 minute journal pour un peu être une vraie Pinterest girl. Parce que je sais que les Pinterest girls, elles font ça. Et il faudrait que je le fasse plus souvent parce que je sais que ça me fait du bien de détailler un peu ma journée, comment je me sens, ce qu'il faudrait que je fasse pour me sentir mieux. Donc voilà, je vais faire ça. Alors aujourd'hui, on va s'habiller un petit peu plus Pinterest girl. Je vais mettre ce petit t-shirt comme ça, voilà, qui est hyper collé à la peau. Et avec ça, je vais mettre mon petit jean que j'avais acheté chez Pimki en promo, mais ils le font plus parce qu'il n'existe plus. Voilà, avec les petites poches comme ça devant. Ça fait hyper longtemps que je l'ai, ça doit faire un an et demi. Avec, je vais mettre mes petites chaussures comme ça que j'ai eu pour mon anniversaire. Je suis trop contente de les avoir eues, vraiment genre. Bref, je vais aller m'habiller, me mettre du déo, du parfum, me maquiller vite fait et on se retrouve après dehors pour une autre partie du Pinterest Girl. Bon les gars, j'ai changé. En fait, j'ai toujours mon petit t-shirt gris. Mais par-dessus, du coup, j'ai mis ma petite blouse comme ça. Que je savais pas trop quel temps il faisait. Et il fait super chaud. Du coup, je crois qu'elle ne va pas rester très longtemps sur moi. Mais elle est beaucoup trop belle. Je suis fan de cette blouse. Bon les gars, je vais juste prendre quelques petites minutes de repos. Je viens de rentrer, j'ai lancé de la vaisselle, lancé une machine. Je vais attendre qu'elle se termine pour aller l'étendre. J'ai pris un Doliprane, j'ai trop mal au ventre à cause de mes ragnagna. Ouais. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis au bout de ma vie. Du coup, je vais attendre, je vais aller faire chauffer une bouillotte. Et puis voilà, mais vraiment je peux pas là. Genre je vais mourir. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus, je vous jure. Les gars, je sais que je vous avais dit tout à l'heure qu'on n'irait pas faire de sport. Et j'avoue que je me sens mieux. J'ai plus tellement mal au ventre que tout à l'heure. Et c'est surtout que je sais que ça va me faire du bien, voilà. On va juste faire un petit peu de planche pour les abdos. Et on va également faire un peu d'étirement. Genre vraiment, c'est pas un sport de fou. Je sais que les Pinterest girls le font. Donc je me dis, vas-y, c'est bon, on va faire ça. Et puis, ça peut que nous faire du bien. C'est pas un truc qui va me détruire le ventre. Voilà, donc je vais aller faire quelques étirements, quelques petits gainages, tout ça, tout ça. Je vous emmène avec moi. Promis, après, on fait la partie que vous aimez. Je sais que vous aimez cette partie-là. La partie douche plus skincare. Et j'avoue que moi aussi je l'aime beaucoup. J'ai fini mon sport, ça m'a fait trop du bien. Genre vraiment, il me fallait trop ça pour me dire qu'au final, en fait, le sport aide pour améliorer les mal de ventre. Mais bref, c'est quelque chose que j'ignore encore. Là, je vais aller prendre ma petite douche et ensuite, on se retrouve pour faire une petite skincare.
je viens finir de manger. J'ai très très bien mangé, très healthy. Je pense que mon ventre va me remercier d'avoir bien mangé. Vraiment, je vous jure les filles, la nourriture quand on a nos règles, ça fait tellement tout. Ce matin, j'ai rempli mon petit carnet, assez sympa. Ça m'a fait trop du bien, vraiment trop trop du bien. Et là, je vais essayer de lire parce que c'est quelque chose qui fait très très Pinterest girl au final. Mais c'est surtout que ça me fait du bien de lire. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler, depuis cet été, je ne lis plus. Mais absolument pas. Et je veux au moins lire un livre par mois. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Du coup voilà, j'ai commencé un peu à lire The Mistake. Du coup bah j'aimerais bien continuer. Et moi j'ai les anciennes couvertures. Un peu sympa quand t'es dans le train et que t'as cette photo là. Un peu sympa, un peu bizarre la lecture.